c'est connu. En allant voir Gilbert Bécaud, c'est des frissons plein la peau qu'on en est venu. Moi j'ai pensé qu'entre la chaleur de son corps et la chaleur de mon corps, ça pourrait chauffer. Jusque-là rien d'anormal, nul ne le contestera. Le bonheur conjugal nous tendait les bras. On s'était dit qu'entre ses parents hystériques et mes parents alcooliques, ça pourrait coller. On a pensé sa frangine sortant d'une maison et mon petit frère de prison, ça pouvait gazer. Jusque-là rien d'anormal, nul ne le contestera. Le bonheur conjugal nous tendait les bras. Je me réjouis, son parfum d'ail me plut autant que la couleur de ses dents. Un peu vert de gris, son teint blafard était pour sûr un don des cieux, ainsi que ses yeux chassieux. Pas besoin de phare, jusque-là rien d'anormal, nul ne le contestera. Le bonheur conjugal nous tendait les bras. Or les copains, sûrement jaloux, j'ai eu du flair, ont prétendu que son père me refusait sa main. Mais halte là, ne nous laissons point abuser, il pouvait pas me la refuser, elle n'en avait pas. Jusque-là rien d'anormal, nul ne le contestera. Le bonheur conjugal nous tendait les bras, comble de joie. Elle avait une jambe de bois du côté gauche par bonheur. Moi du côté droit j'étais joyeux. Sa famille n'avait pas de maison, la mienne couchait sous les ponts. C'était merveilleux. Jusque-là rien d'anormal, nul ne le contestera. Le bonheur conjugal nous tendait les bras. Seulement voilà, elle faisait des fautes de français. Personnellement ça me gênait. J'ai le certificat pour comble un jour, dans une conversation d'amour, elle me sortit tout de go. J'aime les haricots. C'était vraiment pas normal, nul ne le contestera. Et ce trou cervical venait me couper les bras. J'ai rompu mes fiançailles, mais le remords me tenaille. Car pour moi l'idéal, c'est le bonheur conjugal.